ma mère, tu sais pas que c'est un coup de fou ce que tu viens de me faire, espèce de petite de chienne, un coup de fou, et tu vas tapiner pour moi. Tu sais que tu vas tapiner pour moi, est-ce que tu le sais? Pour une gadget unique, même pas en plus, tu me fais des trucs comme ça. C'est quoi ça? Pushing to the limit.
Mais c'est quoi votre problème, petit chatoun? De quoi? C'est que, avant que mauvais garçon, il ait tous ses sous, il n'y avait personne. Hein? Et là, maintenant, on vient discuter, parler avec moi, jouer. Vieille fiotte que vous êtes. Elle a raison. Elle a raison, il n'y avait personne au début. Pas vrai, Karim, il n'y avait personne. Ferme ta gueule, toi. Tu me sors des yeux, espèce d'alcoolique de merde. Allez, niquez-moi vos merdes là. Mais sérieux? Niquez-moi vos merdes là. Calme ta mère. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Karim, j'ai bien fait ou pas? Tu es qu'un pauvre con. T'as pas bien fait. On reste entre collègues et en plus, moi j'ai ma femme, Karim. Putain, entre collègues. Est-ce que c'est toi maintenant qui vas me sucer, moi? Entre collègues, c'est bien les collègues, hein? C'est bien que pour te mettre dans la merde. Karim, ma sacoche. De quoi ta sacoche? Tu vas me faire chier avec ta sacoche. Tu vois pas, on a plein de sous. Avec ça, on en achète 15 de sacoches. 25 de sacoches. Putain de merde. Je l'ai oublié dans le Brinks. Comment tu l'as oublié dans le Brinks? Voilà, je l'ai oublié dans le Brinks. Il y avait quoi dedans? Il y avait ma carte d'identité, ta carte d'identité, ma carte vitale, ta carte vitale. Comment ma carte vitale? Ma carte d'identité dedans, espèce d'abruti? Se calmer, je vous vois pas tout seul. Non, dégage, je vais t'arracher la tête. Comment ma carte? Pas tout seul. Il y avait aussi ta carnet de santé. Il te manque des vaccins. Casse-toi. Ça va, c'est bon. Casse-toi, je veux plus te voir. Ça va, monsieur? Vas-y, va te faire enculer, toi, vas-y. C'est beau, ça me plaît le reportage. Moi, je regarde souvent le reportage. Moi aussi. Les animaux, tous les animaux, j'aime bien, moi. J'aime pas quand ils se font manger à la fin, ça fait mal au cœur. Ouais, moi aussi, j'aime bien le reportage animal. Papa, il est là-bas, la télé. Ah, il est là, la télé, la marre. Elle est là, la regarde télé. Regarde là, la télé. Elle est là, la télé. C'est beau. Tu regardes la télé, tu regardes pas ici. Elle est là, la télé. Ouais. Celle-là, elle regarde là-bas, mais celle-là, elle est là. Ah bon? Je te vois. C'est bon, c'est bon, les documentaires animaliers. Moi, j'en ai, c'est bon. Nous sommes en direct de la cité de la Sauvagère. Alors ici, pas davantage d'informations. Je parle de quartier, là. Deux suspects. Ah ouais, ouais, ils parlent de nom. C'est quoi, ça? C'est la police et tout. Pourquoi où j'étais à chaque fois? Pourquoi j'étais? On était en train de c'est bon, les infos. Venez, on me laisse votre frère tranquille. Attends-moi, d'ici là. À chaque fois, s'il te plaît. Karim, remets la télé, Karim. C'est pas moi, Karim. Remets la télé, Karim. Il est là. Tout le monde qui dormit, allez, c'est bon, les infos, on va pas... Toujours les emmerdes, toujours les histoires. Boulissi, Jadarmia, qu'est-ce qu'il sait encore après? Le docteur? Qu'est-ce que t'étapes? Kanda Pesos. Putain, encore les condés, oh. Oh, c'est quoi ça? Oh non, non, qu'est-ce qu'il y a? Karim, viens vite, urgent, viens vite. Déjà ton père qui rentre, je vais le frapper. Gros, sur la vie de ma mère, c'est chaud, elle est passée à la télé, moi j'arrive pas à dormir. Mais pourquoi tu viens sonner chez moi à cette heure-ci? Mais gros, j'ai peur, moi je vais leur dire que c'est toi, si on est une Mais tu vas dire quoi?
Gros, t'as plus comme ça chez moi, même si c'est chaud. Gros, on est dans la merde, on est passé à la télé, j'ai pas d'envie d'amuser. Je sais, ferme ta gueule, c'est bon, ferme ta gueule. Regarde, je me suis descendu des petites panoplies. Je t'ai pris ça, toi, une casquette, parce que ta coupe, elle passe pas, faut que tu la caches. Je t'ai pris ces lunettes. Regarde, ah ouais. Ça passe crème en plus comme ça. Je suis fatigué. Ça passe tarp même bien. Moi, je vais mettre ça. Ça. Ça, c'est bon. Voilà, maintenant je me suis trouvé un peu des petits prénoms. C'est bon? Toi ça va être Norbert. Moi ça va être Patrick. Mais te manque pas. Tu m'appelles Patrick, j'ai pas envie de re-rentrer à cause de toi, je te le dis. En plus on est sous commission rogatoire, la moindre erreur elle peut nous faire rentrer. Et je m'appelle comment pour voir si t'as retenu? Je m'appelle comment? Karim. Putain, je m'appelle pas Karim, je t'ai dit quoi là derrière? Je viens de te dire que je m'appelle Patrick, tu arrives pas à suivre ou quoi? Je suis endormi, bro. Comment tu t'es endormi? On est dans la merde là, faut être à l'affût, faut être rapide. Mais gros, ils vont arriver. À tout moment, on peut se faire péter. Tout moment, il y a les chemises derrière gros, toi. Gros, sur la vie de ma mère, il y a les chemises. La vie de ma mère, comment ça, il y a les chemises? Ah ouais, bon, le truc, c'est d'être naturel. Comme ça? Ouais. Comme ça? Ouais, comme ça. Commence à t'échauffer au cas où on doit courir. Comme ça? On est, je pense, devant la bonne porte. Nous allons intervenir. Change ta voix. Bonjour. Vous êtes là pour les deux jeunes qui... Vas-y, laisse-nous travailler, casse-toi. Allez, arrachez-vous là. Casse-toi. Bonne soirée. Ouais. Messieurs, intervention. Bande de branleurs, là. Allez, on y va. Allez. Classe de Brad Pitt, normal que ta femme est bug. Je marche avec les vrais, ouais. Attends. C'est la bêtise, tu m'as dit, je crois pas. C'est ici qu'il enregistre. Là, t'as bien fait. Ah. Attends. Voilà les 5 euros. Voulez-vous lire? Non, les voilà. Pas. Non, tiens. Ça y est, tu nous donnes quand on est blindé, j'ai la ferai. Zakat, tiens, voilà, prends. Qu'est-ce que tu les prends? Prends un coca-fraise en bas. Tu les prends. Coca-fraise, plus pissé en bas. Le coffre de la décapotable, il est plein, frère, je comprends. Je vais les prendre, mais avec fierté. J'ai ma fierté quand même. Je les prends, mais j'ai ma fierté. Elle va être rafraîchie. Va prendre un coca-fraise en bas. Je vais le boire avec fierté. Voilà. Nous, on est en train de travailler, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Non, c'est bon, on les prend, gros, moi j'ai soif. Voilà, mets-toi bien. T'as pas soif, toi? Avant, il voulait pas nous passer, là, il veut nous passer. C'est bizarre, non? J'ai entendu qu'il y avait deux mecs qui étaient recherchés. Non, allez. C'est pas vrai. Ouais, qu'est-ce que vous faites, Jean? Vous croyez que je sais pas que c'est vous deux? C'est nous. Nous. Et vous venez me casser la session dessus. C'est vrai, on est recherchés. Mais là, mec, on assume quand on va rentrer, frère. C'est bon. On assume. T'assumes quoi? Moi, j'assume. C'est la pire des poucaves, t'assumes. Ouais, je vais poucave, mais j'assume. S'il vous plaît, non, on fait notre session. Remets la musique, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. T'es en train de faire ta musique, c'est ta nouvelle musique. Ouais. Tu veux mon avis artistique? Vas-y, mets. Dis-le qui met à lui. Avis artistique? Tu veux que je te... Attends. Mets le son. Tu veux faire un bon son ou pas? Eh ben, je vais te donner mon avis artistique, moi. Qui c'est qui t'a dit d'enlever, toi, d'ailleurs? Le boss. C'est moi le boss, ici. Mets le son. Non, c'est lui le boss. Ferme ta gueule, d'où c'est toi le boss. Ils prennent pour Barzell, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Ponareff. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui roule. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Je n'ai pas carton trop jeune. Danse à la cartonne, là. Remets-nous des glaçons. Chez l'épicier en bas, coca fraise. Remets-nous des glaçons. Remets-nous des glaçons. C'est pourri, frère. Alors vas-y, dis-moi tes arguments artistiques. Fais ton DA. Moi je dis que ça va pas marcher, ça. C'est rené. Pas c'est rené. C'est pas ça que je veux dire, soprano. C'est que ça va pas marcher parce que ça manque de gangst. C'est pas assez gangst. Genre. C'est qui Carlton et Jeffrey? On les connaît pas eux déjà. Pourquoi tu parles pas de Nono et Karim? Nous on a fait des Brinks, on a dealé et on a niqué des putes. On a fait Hala dans nos vies. Toute notre vie on a fait TB et tu dis pas Karim et. Donc il faut que je vous fasse des dédicaces. C'est ça? Je suis en train de m'énerver. Mais danse à quoi? La danse à Nono Karim? Non, Brad, Jill, Nono Karim et Nono. Parce que là ça fait une danse de Tarnose là, moi je comprends pas moi. Gros, tu fais les gangs, c'est quoi ça?
Laisse-moi te faire un freestyle. Laisse-moi lui faire un freestyle. Tu rappes en plus. Il va se taire, gros. Il va se taire. Freestyle de quoi? Je vais faire un freestyle de rue. Je t'ai donné les 5 euros, ça y est, vous pouvez partir. C'est moi qui fais les meilleurs freestyles. Moi, je fais des brings, gros. J'ai jamais balancé personne, gros. À part Karim, Salim, Mehdi, Sofiane, Hissène, Marwan. L'autre Marwan, parce qu'il y en a deux. Il y a Bimbo et tout le reste. Bimbo, mais vas-y, Alex, c'est bon avec tes sons de poucave. Arrête avec tes sons de poucave, tu es en train de m'énerver. Mais c'est quoi ça? Il parle de moi qui m'a fait rentrer et en plus il. Mais c'est quoi vos histoires, les gars? Je répète, tu as tes 5 euros, la porte elle est. Attends, je t'ai pas fait, je t'ai pas fait. Même toi. Mais là, tu vas me signer d'entrée, frère. C'est moi le meilleur rappeur de toute ma génération. Allez, vas-y. Fais-moi écouter ça. C'est la relève. La relève. Vas-y. Ok. Et lui le 2. Le 2. Le freestyle 2, ouais. C'est mieux? Ouais. Tu veux savoir c'est qui le boss du RAP? C'est moi. Qui c'est qu'a frappé Nono? Ma gueule, c'est moi. Il avait mérité cette poucave, elle m'a fait rentrer 6 mois. Elle m'a fait rentrer 6 mois. J'étais le rappeur coffreur du bâtiment A. Tous les beaux maîtres parlaient de moi. Tous les têtes, je les gardais sur moi. Et ouais, ma gueule, si tu veux charbonner, braquer, pointer, viens avec moi. Si je suis calibré, ganté, fuis-moi. C'est bon, t'attends. Fuis-moi, il va te voler gros, fuis-moi. Gros, il va te voler tes textes, gros. Je vais voler quoi? Je vais voler ça. Tu bon, les gars, laissez-nous travailler. Ne fais pas ça, frère. Hein. Non, c'est du travail, tu le connais, toi, tu es un artiste. On est en pleine session, franchement, laissez-nous tranquille. On est en pleine session. Je vais poser une question. Ouais, vas-y, va poser, franchement, va poser. Qu'est-ce que tu vas poser, toi? Pose ton cul, là. Tu vas pas le rap de poser. Mais sérieux? T'as un truc là? Va te reposer. Vas-y. J'arrive à bloc, JJ, from the block, la concurrence dans les airs de repos. Personne ne stoppe ou bien me bloque, t'as aucune chance face à la réelle mère et la merde que je pose. Je t'explique de suite, Zin, j'ai pas le temps. En plus, ton speech, rien d'épatant. Je dois faire vite, mettre bien mes parents, ma voix dans ton casque comme un flingue sur la tempe. Je descends de la favela, allume la caméra, je crache un acapella, la petite Arabella. Je dois mettre en place la MIF avant le Panamera. Je t'écrase sur mon passage, viens pas de Pavanella. Ne viens pas de Pavanella. Achève-le. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Tu camoufles quoi? Qu'est-ce qui Arrête! Qu'est-ce que tu veux? Elle t'a dit ne branche pas, JJ, Sarah, écoute ta sœur. Je suis électrique et avant ta tête, t'as déjà pris un coup de taser. Sur ta tête, on dirait des serpents qui voudraient s'échapper. Tu ressembles étrangement à une refrappe du logo Versace. Et je te le dis, même si je connais pas le destin. Aïe. Reste un dégain si tu veux être quelqu'un. Pop. Lourd. C'est bon. Maintenant prends les 5 euros, tu lui achètes un flow. Là-bas, non. Moi je veux dire la vérité. Laissez-moi dire mon avis artistique. Moi mon avis artistique, c'est rené parce que c'est du rap de Gadji et que ça. Moi mon avis artistique, c'est qu'elle t'a niqué ta mère. Elle m'a niqué ma mère. Dis la vérité, je suis plus fort, mon rap. Je sais pas qui elle a niqué, mais prends les 5 euros. Mais les gars, tranquille. Bon, laissez-nous travailler. Attends, elle me clash, je clash pas à moi. Vas-y, venge-toi. Fais-moi l'instru. Un peu plus fort. Fais-moi la une. Ça, c'est la une. Non. Fais-moi la 12. La 12? Fais la 12. Eh, c'est bon, tu es en train de m'énerver. C'est la 17, ça. La tête de ma mère, je t'ai dit, fais le. Je m'en rappelle plus de la. Parce que j'ai fait bon, vas-y. J'ai fait deux albums d'instru. Je m'en bats les couilles, me rends pas fou. Là, je vais la clasher, je suis énervé. Tu as fait des ongles et. Elle va niquer ta race que je me prends la tête quoi avec une gadjelle, elle veut faire la rapace. Oh, Vas-y, tu vas le faire mal. Sortez les gars, vous allez l'énerver. Vous allez l'énerver, les gars. Moi, lui, c'est ma dingue. Je le régale tous les jours. Tranquille, les gars. Dors, les gars. Prends tes 5 euros, vas-y. Il me régale tous les jours et tu le frappes. Allez, l'épicerie là en bas. Je veux juste te dire un truc. Quoi encore? T'as bien, on va rentrer en prison. Tu vois, c'est bien de mettre des statues, de dédicacer dans les albums et tout. Ça, c'est bien de mettre des photos sur Instagram, Nono, Garde la pêche et tout. Ça, c'est bien. Ouais. Mais frère, envoie des mandats. Sache que les gens vont pas. Mandat de quoi? Oh là là, putain. Je vais poser. Ouais, va poser, viens. On reprend le boulot, T'imagines, pour 5 euros. Ils me suivent pour 5 euros depuis tout ce temps. Viens, reprend le boulot. Toi t'es comme un drink, tous les yeux sur ma sape. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc dans mal quelques zaps. J'entends des mecs qui clap. Assez frais et encore instable. Moi tu rigoles. Mais y'a quoi de rigolo? Explique-moi, y'a quoi de rigolo? Cette
Non mais vas-y, explique-moi, il y a quoi de rigolo dans tout ça? Elle est en train de parler de la météo, cette grosse pute, c'est ça qui te fait rire? La mec, t'es tarpin bizarre, toi, sur la tête de ma mère. Oh là, ne me regarde pas comme ça, je vais niquer ta mère, t'es tarpin bizarre. Karim, t'étais la merde dans le sachet. Vas-y, pourquoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je te parle. Arrête, je voulais faire comme Tony, et ben moi je vais faire quoi? Je vais faire pire comme Tony. Je te mets des coups de couteau, qu'est-ce que tu fais là? Je textote. Je textote avec qui? Avec ma femme. Arrête de faire le moi, je vais te frapper. Et tu dis pas qu'on est sur écoute? Tu textotes avec elle, t'en te fais péter. Mais tu es con ou quoi? Sur écoute, c'est quand tu parles au téléphone. Moi, je suis malin. J'envoie, je textote avec elle, comme ça, ils peuvent pas. J'ai des bonnes idées ou pas des fois? Parce que là, je textote avec elle. Et en plus, ma femme, je l'aime trop, mon pote. Regarde, à peine je mets le portable dans ma poche, il va vibrer, regarde. 1, 2, tiens, je t'ai pas dit, il va vibrer. Elle m'a répondu. Je suis obligé de ressortir et de retextoter avec elle. Et je vais envoyer un message, je vais ranger comme ça va vibrer, je vais ressortir, bon, je l'aime. Ça va, textote avec elle. Bon écoute, je te dis juste un truc, moi je m'en bats les couilles de ta femme, je m'en bats les couilles de toute ta famille. Je te dis juste un truc, t'as vu si je me fais péter? T'as vu ta daronne, la grosse folle des bidonvilles qui fait la chaîne de partout? Eh ben je vais te la niquer devant tes yeux. C'est moi, je vais te la niquer devant tes yeux. Et t'as vu ton daron aussi? Ton daron que tu connais pas, t'as jamais vu parce que c'est le macro à ta mère la pute. Eh ben lui aussi, je vais lui arracher la tête. Alors là, tu as parlé de ce qu'il fallait pas, Karim. Je vais t'enculer ta sœur. Tu as vu elle qui met des strings rouges? Cette grosse pute qui met des strings rouges? Sors, je vais t'enculer ta sœur maintenant. Sors, viens. Viens. Au milieu, sur la tête de ma mère, c'est quoi ça? Oh, allez, enlève les mains. Je veux voir tes mains, là. Les mains, j'ai les deux. Tahiti Bob, la tête, tu vois où c'est? Les mains, je t'attends. Putain, 2 jours à me courir derrière. Vous venez dans mon bureau, vous foutez de ma gueule. Vous piquez des tenues. Hein? C'est pas ce qui vous retient. Les mains sur la tête, les deux mains. Bien, toi aussi. Voilà, c'est bien. Ça va, si vous voulez, je vous suce. Non, tu vas sucer personne. Mais pas quoi, vous allez nous faire quoi, là? On va rien te faire. Mets tes putains de mains sur la tête, les deux. Qu'est-ce que tu fais? Le touchez pas, vous bande de pute! Non, ça va ou quoi? Non. Putain, c'est un téléphone. Non. Chef? C'est un téléphone. Non, Michel, c'était pas un téléphone, c'était une arme! Les autres, vous m'embarquez, Tahiti Bob! Une arme, ok?